Winton, Winton. Sur les avions. Et c'est le pilote qui conduit ça ? En général, oui, c'est le pilote ou l'équipage quand c'est un bombardier. C'était souvent quand c'est un bombardier. Cela dit, il y a quand même une. Enfin, il me semble. Donc là, c'était quand même plus précis, les bombardiers moyens. Sur le fuselage qui roule devant, et ben c'est celui dont on parle beaucoup ces temps-ci. Quand vous avez un type Ingesser, par exemple, Charles Ingesser, qui avait une gueule pas possible et qui roulait dans une voiture de sport allemande qu'il avait lui-même volé à un officier allemand à la force de son pistolet, et sur les portières de laquelle il avait grâce aux insignes personnels un cœur meneur avec un centre de cœur, deux tibias entrecroisés, deux cierges allumés et un cercueil. Et il avait. Le plus grand des as français n'était pourtant pas Guynemer. Le plus grand des as français était un pilote qui avait une réputation. Et qui en fait était quelqu'un qui s'appelait René Fonck. Et René Fonck, en fait, il avait une réputation qui était. Et donc, Pierre-Georges l'a découvert. Ben, c'était des gens qui faisaient ça parce que, par exemple, ils étaient, je sais pas moi, un médecin. Et que. Ils exerçaient dans une petite ville du Midwest et que comme leur petite ville n'avait pas une clientèle suffisante, un bosseur invétéré, un dragueur épouvantable, et à chaque meeting aérien évidemment. Une unité de l'armée de l'air française en 1939-40. Pendant la bataille de France. Et donc, voici le Bratz 406 qui avait été surnommé Bretagne et qui volait chez les Cidres. Merci aux Suisses de nous conserver notre histoire. Mais les deux plus importants étaient le TC3 et celui-ci, le Junker 39. On connaissait très bien en fait. C'est pas une voiture de sport, c'est pas. Ça fait. Ça roule, ça fait complètement, ça roule bien. C'est un sens extraordinaire, c'est ce qui existait de mieux, parce que les ingénieurs, parmi les plus doués du monde, les ingénieurs allemands de la firme Fiesler dans les années 30, vous allez voir que c'est tellement étrange avec une géométrie. Cette histoire de la transition, l'histoire d'aujourd'hui, si le Japon d'aujourd'hui, le Japon d'aujourd'hui, c'est aussi à cause de ça. Comète qui a déjà en vol. Oh là là, génial.
l'avion normal. Et donc, on se ficelle là-dedans. Manière Looney Tunes, manière